Cette émission a été reportée, donc l'émission de vendredi sur Jésus mystère révélé a été reportée à ce soir. Donc excusez-nous, vous tous qui s'attendez à cette émission, hein, donc ce vendredi, le vendredi dernier. Malheureusement, il y a eu quelques soucis. Voilà, donc il fallait se reposer un peu. Et merci pour votre compréhension. Donc nous allons ce soir parler sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous savez, l'évangile est basé sur sa personne. Et nous voulons ce soir aussi parler de ce que Dieu m'a mis à cœur concernant ce livre. Voilà. Donc, Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ta parole qui nous guérit, ta parole qui nous sauve. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix, Adonai, Dieu d'Israël. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà. Alors, vous êtes certainement au courant que ce livre est sorti. Jésus, Yahweh et salut. C'est la signification de ce nom, comme vous le savez. Mystère révélé. Voilà. Donc, là, je ne sais pas si on voit bien le titre. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, Jésus, mystère révélé. C'est bon avec la caméra de gauche, l'équipe? Voilà, on va vous mettre ça sur l'écran, ça va être plus simple. Voilà. Alors, pourquoi Jésus mystère est révélé? Ah ben, pour plus, c'est une question que beaucoup se posent, certainement ce soir. Et parce que les Écritures le disent, tout simplement. On va prendre un passage dans 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6. L'équipe va nous aider parce qu'il y a des échos ici. C'est bizarre. Donc, l'équipe technique, toujours vérifier. Voilà. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Les Écritures nous disent, Or nous prêchons une sagesse parmi les parfaits. Une sagesse, dis-je, qui n'est pas de cet âge, ni de chefs de cet âge, qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, qui est un mystère, n'est-ce pas? C'est-à-dire caché, que Dieu, avant les âges, avait, n'est-ce pas, prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de cet âge n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc l'équipe va pouvoir pour enlever le retour ici parce que ça fait bizarre. Voilà. Donc Paul écrit aux Corinthiens qui aimaient la sagesse. Regardez rapidement, on va voir dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Vous allez voir que les Corinthiens, donc les Grecs, aimaient beaucoup la sagesse. Et Paul ici leur fait comprendre que qu'il y avait une autre sagesse qui était cachée, qui était parfaite. Qui est parfaite, qui était cachée, et que lui, Paul, avait, n'est-ce pas, le mandat, avait reçu le mandat de la révéler. Et Paul dit justement au verset 19 de 1 Corinthiens, chapitre 1er, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de cet âge? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Donc il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse que Paul prêchait, c'est-à-dire Dieu lui-même, Yeshua. Et Paul dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale, hein, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. À ceux, dis-je, qui sont appelés tant Juifs que Grecs, nous leur prêchons Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Alléluia. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc Paul dit que Christ est la sagesse de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il dit qu'il prêchait justement cette sagesse-là cette sagesse qui était mystérieuse, donc, qui était un mystère. D'où le titre du livre,
Jésus, Yahweh et salut, mystère révélé. On va aller voir rapidement dans Éphésiens chapitre 3, au verset 10. Qu'est-ce que Paul dit aux Éphésiens là-bas? Donc vous avez vu que les Grecs aimaient beaucoup la sagesse. Les Grecs aimaient beaucoup, ils pensaient avoir la sagesse, la philosophie, philosophia, l'amour de la sagesse. Mais Paul arrive là-bas chez eux et leur dit, mais écoutez mes amis, il y a une autre sagesse que vous n'avez pas, n'est-ce pas, atteint, que vous n'avez pas découvert. Une sagesse qui est un mystère, qui était un mystère et qui a été révélée. Et dans Éphésiens 3, 10, les Écritures nous disent, voilà, et on peut même commencer à partir du verset 11, pour bien comprendre le verset 10. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 11, voilà. Mes amis, Éphésiens 3, à partir du verset 11. Donc, c'est, voilà. Suivant le dessein arrêté dès les âges qu'il a établi en Jésus-Christ notre Seigneur, par lequel. Hein, donc, c'est le verset 10, je disais. Donc, à partir du verset 9. Voilà. Et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère qui a été caché de tout âge en Dieu. Qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Donc, Paul dit que ce mystère était caché de tout âge en Dieu. Christ. Et ça veut dire que ce mystère-là, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes d'avant Moïse, ainsi que les prophètes d'après qui ont vécu après Moïse, et les prophètes, mes amis, des nations païennes, tous ces prophètes-là n'avaient pas une révélation claire et nette de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et au verset 10, il dit « Afin que les principautés et les puissances dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, suivant le dessein arrêté dès les âges qu'il avait établi en Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi que nous avons en lui. » Donc, en fait, l'apôtre Paul nous fait comprendre, mes amis, vous vous rendez compte ici que Paul nous fait comprendre que même les anges, même les autorités, les principautés apprennent, n'est-ce pas, apprennent, reçoivent la révélation de Jésus-Christ, sur Jésus-Christ, en écoutant l'Église prêchée. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que même les archanges, même les anges puissants en gloire, en dignité, apprennent, sont enseignés par l'Église. Pierre nous dit que les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile pour apprendre des choses. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que Dieu a caché ce mystère, Dieu lui-même, parce que c'est Christ, c'est Dieu. Et, mes amis, et il va choisir les hommes et les femmes que nous sommes, de la poussière, qu'il va, mes amis, à qui il va donner la révélation de lui-même, sur lui-même, afin que nous la partagions aux autres. Non seulement aux hommes, mais également aux anges. Quelle responsabilité est la nôtre, mes amis? Et ça, c'est terrible. Regardez, Paul dit que la sagesse en question est la sagesse, c'est une sagesse infiniment variée. Ça veut dire quoi? Nous savons ce que ça veut dire, hein, infini. Hein? C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire quoi, mes amis, vous qui êtes sur le plateau et vous qui nous suivez ce soir? Ça veut dire que Jésus-Christ est tellement éternel, est tellement infini, qu'il ne s'arrête jamais de se révéler. Ça veut dire que même quand on sera là-haut, l'éternité ne sera pas suffisante pour qu'on découvre qui est véritablement ce Dieu. C'est vrai que Pierre, Paul dit que nous le verrons tel qu'il est, mais par contre, on ne peut pas, quelqu'un, parce que connaître Dieu totalement, c'est impossible, parce qu'il est insondable. Et si Dieu pouvait être connu totalement, les anges s'ennuieraient au ciel. On s'ennuierait nous autres. C'est pour cela qu'il ne cesse de dire saint, saint, saint.
est Yahweh des armées. Vous voyez? Parce qu'à chaque fois, Dieu se révèle à eux. On nous dit qu'il est, il est infiniment varié. C'est-à-dire, il se varie, il se révèle de manière infinie. Vous voyez? Je vais prendre un exemple. C'est comme un cercle. Si l'on vous dit de trouver l'extrémité de ce cercle-là, ça n'existe pas. Vous allez tourner. C'est ça, l'éternité. C'est-à-dire, vous tournez, vous découvrez à chaque fois des facettes de Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit que c'est une sagesse infiniment variée. Alors, on va voir quelques variétés. L'une de ces variétés-là, on va voir quelques variétés de cette sagesse. Donc, il y a le lion. Vous voyez? Déjà, quand on rentre dans le lion, il y a tellement de choses à dire. Parce que dans le lion, on découvre quoi? On découvre le royaume, ça, on le sait. On découvre quoi? On découvre l'autorité. On découvre la puissance. On découvre le trône. On découvre, mes amis, là, alléluia, le fait, on découvre le sceptre, le bâton de commandement. Tout ça, c'est des enseignements profonds. Et une autre variété, c'est l'agneau. Une autre, le chemin. Une autre, la lumière. Une autre, l'eau. Une autre, le feu. Une autre, le marteau. Une autre, mes amis, l'époux. Une autre, le père. Une autre, le fils. Une autre, l'esprit, parce que Dieu est esprit. Une autre, le côté Seigneur. Adonai, El Shaddai, El Elyon. Vous voyez, mes amis? Une autre, le soleil levant, le soleil de la justice. Il y a tellement de variétés. Et c'est pour ça que Paul dit, mais c'est cette sagesse-là que nous annonçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mes amis, ceux qui passent leur temps à parler des autres, à critiquer les autres, qui travaillent comme des revues Voici, qui ont plus de vidéos sur les critiques que sur Jésus-Christ, ceux-là ne sont pas de Dieu. Parce que Jésus est tellement profond que nous devons parler de lui pour que les gens le découvrent, le connaissent, afin d'être sauvés. Nous sommes sauvés pour le révéler aux hommes. Vous voyez? Et c'est terrible, mes amis. Paul dit, nous prêchons une sagesse qui est parmi les parfaits. Une sagesse qui n'est pas de cet âge. Cachée, mystérieuse. Eh bien, maintenant, nous allons voir ce que le prophète Zacharie a dit sur cette sagesse-là. Parce que Jésus dit que les prophètes ont parlé de lui. Mais ce soir, j'ai choisi juste le prophète Zacharie. Parce que Zacharie n'était pas un théologien. Il n'était pas un homme issu des nations. C'était un juif, un hébreu. Et lui, il a eu la grâce, cet homme, n'est-ce pas, au 6e siècle, de recevoir quelques révélations sur Yeshua, notre maître. Le huitième mois de la deuxième année de Darius, la parole de Yahweh vint à Zacharie, le prophète, fils de Berechia, fils d'Ido, en disant, Yahweh a été irrité, il a été irrité contre vos pères. Donc, bien sûr, Zacharie était un prophète qui était en exil, comme ses frères. Il était à Babylone. C'est pourquoi tu leur diras, ainsi parle Yahweh des armées. Revenez à moi, dit Yahweh des armées, et je reviendrai à vous, dit Yahweh des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels les précédents prophètes criaient en disant, ainsi parle Yahweh des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas été attentifs à ce que je leur disais, dit Yahweh. Vos pères, où sont-ils? Et ces prophètes-là, devaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et mes ordonnances que j'avais données aux prophètes, mes serviteurs, n'ont-elles pas atteint vos pères? De sorte que, s'étant convertis, ils ont dit, comme Yahweh des armées avait résolu d'agir contre à notre égard, selon nos voies et selon nos actions, ainsi il a agi envers nous. Donc, on continue. On va dans le chapitre 2 maintenant. Donc là, il est en train de parler, bien sûr, à son peuple. Il est en train de parler à son peuple de la part de Yahweh, son peuple qui se retrouve aussi en exil. Et je levais encore mes yeux et je regardais, et voici un homme qui avait à la main un cordeau pour mesurer, auquel je dis, où vas-tu? Et il me répondit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. Et voici l'ange qui parlait avec moi sortit, et un autre sortit à sa rencontre. Et il lui dit, cours et parle à ce jeune homme-là en disant,
Jérusalem sera habitée comme les villes ouvertes à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Donc déjà, on apprend ici que Zacharie était un jeune homme. Ce n'était pas un vieillard. Voyez, c'était un jeune garçon à qui Dieu va donner une révélation terrible sur lui-même. Et on va plus loin, toujours dans Zacharie chapitre 2, et au verset, à partir du verset 9. Car voici, je vais lever ma main contre elles, et elles seront la proie de leurs serviteurs. Et vous saurez que Yahweh des armées m'a envoyé. Pousse des cris de joie et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. Et j'habiterai au milieu de toi, dit Yahweh. Donc déjà ici, Yahweh est en train de nous dire qu'il vient. D'accord? Donc nous savons tous que c'est Jésus-Christ qui vient. D'accord? Et il est celui qui a dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Et on continue au verset 12. Et Yahweh possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair se taise devant la face de Yahweh, car il s'est réveillé de sa demeure. Donc déjà, on apprend ici que Yahweh vient, qu'il va habiter parmi son peuple, n'est-ce pas? Et on va aller voir un peu dans Zacharie toujours, et le chapitre 12. Alors, à partir du verset 10, qu'est-ce que Dieu dit ici? Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc ici, Yahweh est en train de dire que les Juifs allaient le percer. Et que lui, Yahweh, allait répandre son esprit, l'esprit de grâce et de supplication. Jean-Baptiste a dit quoi dans Jean 1, 18? Il a dit, Jean a dit, n'est-ce pas, que la grâce, la loi a été donnée par Moïse, 1, 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Yahweh est en train de dire qu'il allait inaugurer un temps de grâce, qu'il allait répandre l'esprit de grâce sur, n'est-ce pas, Jérusalem et sur les habitants de cette ville. Mes amis, écoutez bien ici. Yahweh dit qu'il allait être percé. Regardez, on va aller un peu plus loin, plus haut, au verset, à partir du verset 7. On va comprendre un peu le contexte ici, que c'est Yahweh qui parle. Yahweh sauvera premièrement les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève point au-dessus de Juda. Et en ce jour-là, Yahweh sera le protecteur des habitants de Jérusalem. Et le plus faible parmi eux sera en ce jour-là comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de Yahweh devant leur face. Et il arrivera qu'en ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Donc Yahweh nous dit qu'il est en même temps le premier-né. Hein? C'est ce que Paul dit dans Colossiens 1, que Christ est le premier-né de toute la création. Donc vous vous rendez compte, frères et sœurs, que les Écritures ici, le prophète, ce n'est pas un théologien qui parle ici. C'était un prophète. Moi, je préfère écouter les prophètes de Dieu bibliques que nos théologiens qui nous enseignent la Trinité. N'est-ce pas? Ou qui disent que Jésus-Christ n'est pas le Père. C'est sorcier. C'est charnel. C'est gens qui sont remplis, dont le crâne est rempli de la pensée matérialiste, qui n'ont aucune expérience avec le Seigneur véritable, qui n'ont pas été appelés par Dieu, qui ne sont pas connus de Dieu, qui vont parler d'un Dieu qui n'ont pas, hein, du Dieu qui ne s'est pas révélé à eux.
car nous sommes appelés des témoins de ce Dieu-là. Des personnes qui ont vu sa gloire, qui voient sa gloire, qui expérimentent sa gloire et qui peuvent témoigner. Comment peut-on parler de la guérison si on n'a pas, si on n'a jamais été guéri? Comment peut-on parler de miracles si on n'a jamais expérimenté des miracles? Comment peut-on parler de la guérison si on va tout le temps voir son docteur? Allez, voilà mes amis, voilà la parole. Donc Yahweh a été blessé. Donc Yeshua HaMashiach a été percé. En fait, c'est Yahweh. C'est pour ça que son nom signifie Yahweh est salut. D'où le titre de ce livre, Jésus, entre parenthèses. Donc, hein, Yahweh est salut, révélé. Mystère révélé. Voilà. Donc Yahweh, c'est le Père qui parle ici. Et il dit qu'il a été blessé, percé, transpercé. Maintenant, allons voir plus loin. Vous allez voir que ce Yahweh-là a été vendu. On va voir. Zacharie 11. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. On va descendre. Zacharie 11. Voilà, à partir du verset 12. Alors, je leur dis, s'il vous semble bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne me le donnez pas. Alors, ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Yahweh me dit, jette-le au potier, ce prix honorable auquel ils m'ont estimé. Alors, je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de Yahweh pour le potier. Vous vous rendez compte, mes amis? Alors, on va aller vite fait voir, cliquer sur pièces d'argent, sur le nombre 3, là, sur le chiffre. Voilà. Il y a le commentaire sur l'argent. On va cliquer, vous allez voir. Donc, ou encore, on va cliquer sur des. Ils pesèrent. Sur deux, on va cliquer sur. Voilà. Donc, vous avez vu les références là. Donc, ici, nous apprenons quoi? Nous apprenons que Yahweh a été vendu. Hein? On l'a estimé à combien? 30 pièces d'argent. C'est Yahweh qui parle, hein? C'est Yahweh qui parle. Et allons voir, mes amis, vous-même, allez voir dans Matthieu. Matthieu 26, 15. Matthieu 26, 15. Or, le gouverneur. Matthieu 26, 15. Voilà, on va descendre. On va monter, pardon. Seigneur, merci pour ta parole. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux prêtres et il leur dit, hein, et leur dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Donc, on voit bien que Judas, hein, des années après, Judas va effectivement vendre Jésus-Christ. Hein, à combien, hein, 30 pièces d'argent. Comme Zacharie l'a dit, comme Yahweh l'avait dit. Donc, vous voyez bien que Jésus-Christ, c'est Yahweh lui-même. Que cherchez-vous encore, hein? On va cliquer sur le 1 là, tout ça. Seigneur, merci pour ta parole qui s'accomplit. Moi, je préfère croire Zacharie plutôt que nos prédicateurs modernes. Voilà. Donc, Zacharie 12, on l'a vu, on repart encore sur Zacharie là-bas. Seigneur, merci pour ta parole. Dieu nous enseigne. Jésus-Christ est le Dieu révélé. Hein, et Yahweh révélé, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Donc, Zacharie 12, Zacharie 11 là-bas, ce qu'on a lu là, pardon, tout à l'heure, le dernier passage. Voilà, on va cliquer sur peser encore là. Voilà. Et là, on reprend Matthieu 27, 9 à 10. Vous allez voir que cet argent a été effectivement utilisé pour autre chose. Voilà. Et ça, c'est terrible. Matthieu 27, 10 à 11. Et ils ont, voilà, donc à partir du verset 9, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Donc, il y a Jérémie qui avait parlé au-dessus de ça. Et Zacharie, disant, ils ont pris les 30 pièces d'argent de celui que les enfants d'Israël ont estimé, hein, et ils les ont donnés pour acheter le champ d'un potier, selon ce que le Seigneur m'avait ordonné. Donc, vous voyez bien que mes amis, Jérémie, vous savez pas de cela. Donc, vous voyez bien que Jérémie
et Zacharie, ces deux prophètes, avaient annoncé que Yahweh allait être vendu. Mais Jésus-Christ est Yahweh. Voilà. Le Dieu révélé, Yahweh révélé. Alléluia, mystère révélé. Alors, mes amis, pourquoi beaucoup de gens doutent encore de la paternité de Jésus-Christ et de sa divinité? C'est simple. Nous allons voir dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13. On va descendre. Voilà. Et verset 10. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit et dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné de le connaître. » Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Bible que vous avez entre vos mains, frères et sœurs, la parole de Dieu, vous pouvez la lire de Genèse à Apocalypse. Si vous n'êtes pas de Dieu, vous ne comprendrez pas les mystères du royaume des cieux. Donc, ceux qui comprennent le message de Christ, ce sont les élus. Ce sont les enfants de Dieu. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans une école biblique, ni de venir me voir pour comprendre la parole. Étant chez vous, l'Esprit qui a inspiré la Bible vous révèle directement qui est Christ. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que Yeshua disait dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » C'est simple. C'est aussi simple que cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, les mystères du royaume et le plus grand mystère, parce qu'il y en a plusieurs, hein, c'est le mystère de la piété. Nous sommes dans 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu, aïe, 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 Dieu a été manifesté en chair. C'est-à-dire, Dieu est devenu homme, on pouvait même le toucher. Hein? Dieu qu'on ne pouvait pas toucher. Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Maintenant, on pouvait le voir. Vous vous rendez compte? Dieu a été manifesté en chair. En fait, rien que ce passage-là résume tout le message biblique. Rien que ce passage-là, nous avons toute la Bible. Parce que pourquoi Dieu a créé, pourquoi Dieu a envoyé Abraham, le père de la foi? Dans ce passage-là, on voit Abraham, la foi. Pourquoi? Parce que dans ce passage, il y a la croix. D'accord? Donc, dans ce passage, il y a la croix. La croix, c'est quoi? La croix est l'accomplissement de la loi de Moïse. Parce que dans la croix, on voit la Pâque. Donc, on voit l'agneau pascal. On voit Moïse. Vous voyez? Dans la croix, les prêtres. Le grand prêtre, Aaron. Donc, dans ce passage-là, on voit aussi, on voit Abraham, la foi. Parce que pour être sauvé, il faut la foi. Dans ce passage-là, on voit Noé, l'arche. Dans ce passage-là, on voit, mes amis, Paul. Parce que Paul a parlé de la grâce, il y a la grâce. Dans ce passage, on voit les œuvres. Parce que Christ est venu, Dieu est venu en tant qu'homme, et il a fait les œuvres que nul n'a faite. Donc, on voit les œuvres. Dans ce passage-là, mes amis, on voit la destruction des œuvres des ténèbres. On voit la victoire sur la mort. On voit la victoire sur Satan et les démons. En fait, dans ce passage, on voit Genèse. Au commencement, Dieu a créé les yeux de la terre et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et lui-même est devenu homme. Donc, on voit Genèse. Dans ce passage, on voit Exode. C'est la délivrance. C'est ça l'Exode. Exode veut dire sortir. Hein, sortie. Donc, dans ce passage, on voit nombre. Dieu a compté le nombre de Satan. Alléluia. Dans ce passage, on voit Lévitique. Lévitique, c'est quoi? C'est le sacrifice. C'est le culte. Voyez? Dans ce passage, on voit Deutéronome. Deutéronome, c'est quoi? C'est le rappel de la loi de Dieu. Dans ce passage, on voit Josué. Mes amis, la conquête de Canaan. Jésus est venu en tant qu'homme pour conquérir nos cœurs. Alléluia. Dans ce passage, on voit juge. Il est venu juger les hommes des ténèbres à la croix. Nos péchés étaient jugés à la croix, vaincus. Dans ce passage-là, on voit quoi? On voit le livre d'Esther. On voit les psaumes, mes amis.
Pourquoi? Parce que, alléluia, oh alléluia, gloire à Dieu, parce que quand il est venu en tant qu'homme, on l'a adoré, on l'a chanté. Les mages sont venus l'adorer. Donc on voit les psaumes. Dans ce passage, on voit Proverbe. Pourquoi? Parce qu'il est venu en tant que sage, l'homme sage, avec la sagesse de Dieu. Alléluia, dans son cœur. Dans ce passage-là, on voit tous les prophètes. Voilà pourquoi il pose la question aux apôtres un jour, dans Matthieu 13, 16, 13. Qui suis-je au dire des hommes? Ils ont répondu Élie. Donc on voit Élie là-dedans. D'autres, Jérémie, on voit les prophètes Élie, Jérémie aussi. D'autres, Jean-Baptiste, on voit Jean-Baptiste dedans. Tout dans ce passage-là de 1 Timothée 3,16, nous avons toute la Bible. Hein? Oh mon Dieu, ça c'est terrible. Hein? Dans ce passage, on voit Genèse 1, au commencement Dieu. Et là, on dit quoi? Dieu. Dans ce passage-là, nous voyons Dieu qui se lève de son trône, comme un film qui se déroule. Comme un sablier qui coule, dont le sable tombe, coule. Dans un livre qui se déroule devant nous, comme le temps qui se déroule. C'est comme un fleuve qui coule. Dans ce passage-là, mes amis, nous voyons Dieu qui se lève de son trône et qui vient s'enfermer dans le ventre d'une femme. Dans ce passage-là, nous voyons l'ange Gabriel qui a été envoyé parler à Marie. Donc nous voyons le livre de Luc, de Matthieu, les évangiles. Rien que dans ce passage-là, il y a toute la Bible. Et vous allez dire quoi? Que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Et donc c'est pour cela que Paul commence par dire, et sans contredire, ça veut dire que personne ne peut contredire cela. Personne ne peut nier cela. Hein? Personne ne peut le contredire. C'est tellement évident. Hein? On va aller doucement. Hein? Et sans contredit. C'est-à-dire qu'on ferme la bouche, le bec des sorciers, des faux prophètes, des trinitariens. On ferme leur bec. Le mystère de la piété. Dans ce passage-là, on voit la sanctification, on parle de la piété. Tout ce qui est saint, tout ce qui est pur. C'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, est venu vivre parmi les pécheurs. C'est ça la piété. Hein? Et grand, Dieu a été manifesté en chair. Dans ce passage, nous voyons l'humanité aussi. Parce qu'on parle de l'homme, la chair. Donc, il y a la manifestation de Dieu en chair, sa naissance. Justifié par l'Esprit, nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre. La justification. Vu des anges, c'est-à-dire les anges l'ont vu. Ici, ange veut dire aussi messager. Hein? Donc, les messagers l'ont vu. C'est pour ça qu'ils sont devenus des messagers. Ils sont allés annoncer. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voilà, les anges, les messagers que nous sommes, ont vu. C'est-à-dire, on ne peut pas prêcher sans l'avoir vu. C'est pour ça que tout de suite après les anges, on parle de prédication, de prêcher. Donc les anges, messagers, prêchent aux nations, aux gentils. Crus dans le monde. Je vous dis que dedans, il y a la foi. Vous avez vu, non? Alléluia. Oh mon Dieu. Dedans, il y a la mission. C'est pour ça qu'il faut partir aux Philippines. Il y a la missiologie dedans. Alléluia. Élevé dans la gloire. Dedans, il y a l'enlèvement des chrétiens. Élevé dans la gloire. La glorification de Christ. La glorification des chrétiens. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Dans ce passage-là, rien que ça, il y a toute la Bible dedans. Hein? Mon Dieu, prêchez aux gentils. Comment voulez-vous que... Pourquoi vous pouvez... Les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qui n'est pas le Père, vous vous rendez compte de l'abomination de vos déclarations? Le Dieu qui a été... prêché, qui est prêché aux nations, c'est qui? Qui est venu en chair? Nous allons voir. On nous dit que Dieu a été manifesté en chair. Allons voir maintenant le nom de ce Dieu-là. 1 Jean, chapitre 4. Nous n'avons pas d'autre message que Jésus-Christ. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à cette marque l'Esprit de Dieu. Ah, l'Esprit de Dieu qui est venu en chair. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu comment? En chair. En chair et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas? De Dieu. C'est l'Esprit de qui?
de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mon Dieu. Donc, le mystère de la piété est grand. Dieu, Jésus-Christ. Jésus, le Dieu véritable, a été manifesté en chair. Vous voyez? Alléluia. Donc, vous voyez qu'on nous dit que c'est Yahweh qui s'est manifesté en chair. Allons voir dans Ésaïe 35. La parole. Jésus, notre maître. C'est lui notre message. Verset 4, à partir du verset 3. Fortifiez les mains lâches et affermissez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra comment? Lui-même. Il viendra hein? Lui-même. Lui-même et il vous délivrera. Amen. Il viendra lui-même. Mon Dieu. Alors les yeux des aveugles seront ouverts. Qui a ouvert les yeux des aveugles? Jésus. Dans Jean 9. Hein? Jésus. Ah. Les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet chantera en triomphe. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans le lieu solitaire. Frère, vous voulez croire qui? Les prophètes bibliques ou vos théologiens modernes ou anciens? Ces gens qui n'ont pas une expérience avec le Seigneur notre Dieu, qui ont des ministères de canapés, de cuisines, de voitures, qui sont des raisonneurs de ce siècle, qui ont une sagesse charnelle et diabolique, qui n'ont jamais connu Dieu. Voyez? Moi, je préfère croire la Bible. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Yahweh lui-même, qui est venu. Vous allez me dire, mais oui, mais on dit que Dieu a envoyé son fils, frère. Mais ça, c'est juste des synonymes, des expressions. Dieu lui-même est venu. Il est venu en tant que fils de Marie, hein, et fils adoptif de Joseph. C'est pour cela qu'il s'identifie en tant que fils d'Adam, fils de l'homme, pour sauver l'humanité, sauver les humains. Voilà. Regardez Hébreux 2, 14. Vous allez voir, vous allez comprendre un passage. Vous allez comprendre pourquoi il est devenu fils de l'homme, fils de Marie. Hébreux 2, 14. J'aime beaucoup ce passage-là. La parole dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, donc la naissance physique, lui aussi, de même, a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il rende qui ?» Il rende comment ? Impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, et ensuite, « Et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Car en vérité, il n'a nullement secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. C'est pour cela qu'il a fallu, hein, c'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses à qui? À ses frères, afin qu'il soit un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. En effet, parce qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Mon Dieu, alléluia. Ça là, ce sont des bombes nucléaires spirituelles. Hein? Dieu a décidé de venir sur terre, de devenir homme, de voir comment l'homme souffre, comment la chair est faible, et il a pris une chair de faiblesse. C'est pour ça qu'il a dit la chair est faible. Jésus. Vous voyez? Donc il a pris cette chair-là, il l'a amené à la croix. Il a crucifié, il a vaincu. Il a pris Satan, KO. Il a pris toutes ses armes, les démons, tout ça, tous les démons. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé sous terre, dans le cœur de la terre, pendant 3 jours, en enfer. Il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort. Il a pris les clés. Il a demandé à tous les croyants, allez, sortez, dehors. Tout le monde est sorti, les captifs, selon Éphésiens 4. Et il est monté avec eux au ciel. Frère, Yeshua, vous dites qu'il n'est pas Dieu? C'est que vraiment, vous êtes destiné à l'enfer. Ah oui. Ça, c'est terrible. C'est tellement évident. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, il y a 12 ans à peu près, écrit un livre sur Jésus, mystère révélé. Et Apocalypse nous dit quoi? Regardez, on va prendre un autre passage là. Oh Seigneur, c'est une bombe. Tite d'abord, Tite 2. Ça, c'est aussi... C'est aussi une bombe. Tite 2, 11 à 13. Vous allez voir. J'aime cette parole-là. Car la grâce de Dieu
salutaire à tous les hommes a été manifesté. En fait, il est la grâce. C'est pour ça qu'il a dit que je répandais l'esprit de grâce. En fait, c'est lui-même qui se répand. Alléluia, mon Dieu. Et elle nous enseigne, la grâce, hein, qui enseigne, hein, à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines. La grâce de Dieu, ce n'est pas je pêche et je vais demander pardon à Dieu. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. La grâce nous enseigne la sanctification, amen, car c'est le mystère de la piété. Amen. Oh Seigneur. Et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de qui ? De notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. On dit que Jésus est le grand Dieu. Les témoins de Jéhovah mettent avec un D minuscule. Ils disent que c'est un petit Dieu. Ça, c'est une secte inspirée par le diable. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le grand Dieu. Mes amis, vous allez me dire, oui, mais ce que la BGC qui a traduit ça comme ça, frère, allons voir. Tapez sur Google là-bas, tapez comparaison Bible. Voilà, on va vérifier, vous allez voir. Jésus est le grand Dieu, amen, qui va apparaître bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Le grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, frère. Vous voyez ? Ailleurs, on dit que Dieu l'a donné. Ici, on dit lui-même s'est donné. Afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre. Mes amis, un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Mes amis. Et Paul dit quoi ? Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Ah ben oui, quand il est question de la doctrine sur la divinité de Jésus-Christ, là il faut de la force. Voilà. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Ah ben oui, Paul voulait que les gens découvrent qui est Jésus-Christ, que tu t'enseignes sur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, gloire à Dieu. Comparaison Bible, on va aller sur Google là-bas. Seigneur, merci. Comparaison Bible, on va nous montrer comme ça. Non, c'est pas ça. On va taper encore comparaison Bible. Voilà, le premier lien. Voilà. Maintenant, tapez-moi Tite 2, 13 là-bas. Cherchez-nous, s'il vous plaît. Merci l'équipe. Vous allez voir, il y a plusieurs versions de la Bible là. Et vous allez voir que, mes amis, la plupart là, confirment que Jésus-Christ est le grand Dieu. Donc, Tite 2, 13. Donc, ça, c'est la première Bible, c'est la Bible catholique. En attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Même les catholiques ici ont traduit ça correctement. Vous vous rendez compte, ce n'est pas seulement la BGC. Donc, même les catholiques, vous voyez, c'est une association, c'est une Bible traduite par l'association épiscopale liturgique pour les pays francophones. Donc, ils reconnaissent ici, ils n'ont pas le choix. Parce que le grec est tellement clair là-dessus. Hein? Jésus-Christ est présenté ici comme le grand Dieu et Sauveur. Second 21. Notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Bible des peuples. De notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Bible des peuples, c'est aussi une Bible catholique. Second. De notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Ah, mes amis, ils n'ont pas le choix. Hein? De Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Ça, c'est la Bible de Sommer. Ils n'ont pas le choix. Parole de vie. Sauveur Jésus-Christ. Hein, donc, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Pareil. Regardez la Bible de Témoignage de Jéhovah. Traduction nouveau. Hein? Traduction du monde nouveau, pardon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont falsifié. Et la manifestation glorieuse du grand Dieu, ils ont rajouté le partitif du. Alors, dans le grec, ce partitif n'existe pas. Voilà. Ils ont ici, amoindrer la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont rajouté le « du », là, hein, le partitif « du ». Ça n'existait pas dans le grec. Ça, c'est la sorcellerie. Voyez ? Et Bible français courant. Hein, le jour où apparaîtra la gloire de notre
grand Dieu et sauveur, Jésus-Christ. Bien, ils ont traduit ça bien, comme les autres. Hein? De notre grand Dieu et sauveur, le Christ Jésus, Colombe, Chouraki, hein? Alléluia. L'épiphanie de la gloire du grand Dieu Elohim et de notre, ça, Chouraki a falsifié ici. Là. Il a rajouté le participe « de » et le pronom possessif « notre ». Voilà, ça, c'est de la falsification. Bible écuménique, ici, ils ont bien traduit. Hein, de notre grand Dieu et sauveur, Jésus-Christ. Si on va jusqu'à la fin, vous allez voir, frères et sœurs, la plupart des Bibles, en fait, ont traduit ce passage correctement. Parce que le grec le dit, comme ça a été traduit, hein, dans le grec, c'est écrit comme ça. Tite 2, 13, confirme clairement, avec force, que Jésus est le grand Dieu. Mais si Jésus est le grand Dieu, alors où est le Père dans ce cas-là? Vous voyez? Oh Seigneur, sauve-nous! Si vous voulez nous appeler frères, vous pouvez le faire. Il nous reste encore quelques minutes. Jésus est le grand Dieu et nous sommes venus pour vous le présenter encore ce soir. Mes amis, diffusez cette parole massivement. Il est le grand Dieu et Apocalypse nous dit quoi? Le livre d'Apocalypse commence par révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui-même a donné. Alléluia. Voilà. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il les a fait connaître en les envoyant par son ange à Jean, son esclave. Que Dieu soit béni. Donc voilà. Donc vous avez compris, mes amis, ce soir, là encore, là? Waouh. Vous avez quelque chose à dire? Le micro, pas de souci. Franchement, je bénis le Seigneur parce que là, en quelques minutes, là, tout ce que j'ai reçu, c'est terrible en fait. C'est vraiment terrible. Même de voir à quel point, waouh, le Seigneur s'est révélé en fait, c'est terrible. Et c'est là qu'on voit en fait, c'est impossible de nier la divinité de Christ en fait. Tout c'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Il y a des Bibles qui veulent amoindrir, qui cherchent des théologiens, hein, les traducteurs, à amoindrir sa divinité, à détruire sa divinité, mais en fait, il n'y a pas le choix. Il est Dieu. Il est Dieu. Regardez Zacharie 14. Regardez bien. Zacharie 14. Seigneur, merci pour ta parole. Voici le jour de Yahweh arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles fassent la guerre. Et la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Yahweh sortira. Retenez bien ça, Yahweh sortira. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Donc Yahweh a des pieds qui vont se poser sur la montagne des Oliviers. Vous vous rendez compte, mes amis? Hein? Alléluia. Allons voir. Et regardez le verset, le verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Et vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Ozias, roi de Juda. Alors Yahweh, mon Dieu, viendra et tous les saints seront avec lui. Oh yo 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 yo. Tous les saints seront avec qui? On clique sur le 4 là. Oh mon Dieu, tous les saints seront avec lui. Tous les saints seront avec lui. Tous les saints seront avec lui. On va voir dans 1 Thessaloniciens 3:13. Notez bien, retenez bien, tous les saints seront avec Yahweh. Tous les saints seront avec qui? Yahweh. La parole nous dit quoi? Au verset 12, 13. Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder de plus en plus en charité les uns envers les autres et envers tous, comme nous abondons aussi en charité envers vous. Et qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu qui sait, devant Dieu qui est notre Père, lors de l'avènement de notre qui? Seigneur Jésus-Christ, accompagné de qui? De tous ses saints. Oh! Tous les saints seront avec lui. Tous les saints seront avec Yahweh. Et là, on nous dit quoi? Jésus-Christ viendra avec tous ses saints. Amen. Mon Dieu. Vous doutez encore de sa divinité? Vous doutez encore Jésus-Christ et Yahweh, le Père, Dieu le Père? Oh, c'est que vous avez un problème. Voilà. Yahweh paraîtra et il combattra lui-même. Allons voir Apocalypse 19. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à comprendre ta parole. À partir du verset 11.
Et Yeshua dit quoi? Repends-toi, sinon je viendrai avec l'épée de ma bouche et je te combattrai. Hein? Puis je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge, combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Que personne ne connaît. Donc c'est lui le Père. Personne. Quand on dit personne, c'est personne. Hein? Ah, bah oui, parce que si ce n'est pas lui le Père, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mes amis. Ben oui, c'est Yahvé qui vient pour combattre. C'est lui, Jésus. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Et on va lire un dernier verset. On nous dit ici que Yeshua est le roi des rois. Hein? Deutéronome 10, 17. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. C'est tellement limpide, tellement clair, frères et sœurs. En fait, ce n'est pas l'enseignement ce soir, mais c'est la parole qui est limpide. Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des... Seigneur. Attends. Il est comment, Yahweh? Le Seigneur... Le Seigneur des seigneurs. C'est pas fini, hein? Le fort et il est comment? Le grand. Le grand Dieu. Le grand. Le titre là-bas. Le grand. Dieu. Le puissant et le redoutable. Qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes. Et qui ne prend pas de présent. Les pharisiens disaient quoi de Jésus-Christ? Tu ne regardes pas l'apparence des hommes. C'est lui, Yahweh. Voilà. Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, mes amis. Que Dieu nous garde. Servez Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui et lui seul qui nous a créés. Et c'est à lui seul que reviennent la gloire, la louange, la majesté au siècle de siècle, d'âge en âge. Amen. Frères et sœurs, voici votre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il vient nous chercher, il revient nous prendre. Donc vous pouvez nous appeler, donc on a encore 5 minutes. Alors qu'est-ce que vous en pensez tout ça là? C'est clair. C'est écrit en fait. C'est écrit, donc je ne vois pas pourquoi les gens se prennent la tête. Jésus est Dieu, point barre. Point barre. Point barre, c'est voilà. Tout. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Non, personne. Voilà. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de gloire. Et c'est pour cela que dans ce livre, en fait dans ce livre on parle de toutes ces choses là. Mm-hmm. Voilà. Donc, ce livre est interdit à la vente. Donc, ce livre est interdit à la vente. Donc, le premier qui appelle, il va le gagner. Au nom de Yeshua. Jésus, Yahweh et salut, mystère révélé. Gloire à Dieu. Vous l'avez tous reçu, là, c'est bon? Non, on l'a pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas eu en main. Mais... D'accord. Nous, on le télécharge en PDF directement. Gloire à Dieu. Alors, on va nous amener... quelques exemplaires là pour les offrir. Au moins 5 exemplaires. On a quelqu'un en ligne? Ok. C'est magnifique, mes amis. Or, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour la connaissance du mystère de notre Dieu et Père et de Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, 1 à 3. Voilà. Mais je crois qu'on ne réalise pas en fait un si grand Dieu comme ça. Il a accepté de descendre, de se salir, en fait de descendre, de prendre des risques pour nous. Ouais. Pour nous. Dieu est grand. Franchement, et encore, il nous a donné ce privilège de pouvoir... En fait, c'est par nous que les anges sont enseignés, quoi. C'est, ah oui. Oh là là, j'ai... Par l'Église, ouais. C'est une grâce. Terrible. Et encore, on n'a même pas encore fini. Hein. Au ciel là-bas, on va encore découvrir et tout. Franchement, je me dis, waouh, c'est terrible. Voilà, on amène les livres. Merci, l'équipe. Parfait. Seigneur, merci pour ta parole. Donc demain, bien sûr, on continue l'enseignement sur Jésus-Christ. Hein. Donc on prend une personne qui est en ligne. Allô, bonsoir. Allô? 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 Allô?
répond pas. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir à tous qui êtes sur le plateau. Bonsoir, Sarchora. Du Cassandra. J'appelais notamment simplement pour bénir le Seigneur. Et j'avais une question, je me posais une question. Voilà, je me demandais, est-ce qu'une personne qui n'a pas cette révélation, alors que la parole de Dieu est claire, à la lumière de tous ces passages de la parole de Dieu, est-ce qu'une personne qui n'a pas cette révélation, qui ne sait pas que Jésus est Dieu, est-ce que cette personne peut prêcher la parole de Dieu? Parce que qu'est-ce qu'elle va donner? Ben justement, c'est ta part. Cette question qui me revient. Ceux qui n'ont pas cette révélation ne doivent pas prêcher, parce que vous allez... En fait, Paul dit dans 1 Timothée 3, 16... Mm-hmm. On va le lire encore à Cassandra pour bien comprendre. Oui. Mm-hmm. 1 Timothée 3, 16. Celui qui n'a pas la révélation que Jésus-Christ est le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, oui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois et le seul véritable Dieu. Mais il va prêcher quoi? Paul dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Oui. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc, celui qui n'a pas, qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, mais il va prêcher quoi? Parce qu'ici, on nous dit que c'est ce Jésus-là qui s'est manifesté en chair, qui doit être prêché. Ce Dieu manifesté en chair. Donc, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu et qui prêchent, ils prêchent un autre Jésus. Voilà, ils ne peuvent pas prêcher. D'accord. Ils ne doivent pas prêcher, on doit fermer leur bouche, fermer leur bec. Hein, on doit carrément les dénoncer. D'accord. Parce qu'ils prêchent un autre Jésus. D'accord. Et sinon, toujours par rapport à la question, du coup, on découle une autre. Maintenant, par rapport à des, on va dire, entre guillemets, des simples chrétiens, juste des personnes qui peut-être viennent nouvellement au Seigneur ou des personnes qui n'ont pas l'éclairage, qui sont un peu ignorantes, mais qui, quand on leur parle, par exemple, moi, je rencontre beaucoup, je leur explique la parole, l'évangile, Jésus est Dieu. Ils vont te dire, mais non, Jésus, c'est seulement le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, dire à ces personnes? On peut prier, c'est vrai, que Dieu les éclaire. Mais on partage la parole avec elles, avec ces personnes, on leur partage la parole. C'est possible de les faire comprendre, de amener à l'éclairage que Jésus, c'est le seul Dieu. Nous ne pouvons pas amener ces hommes et ces femmes à l'éclairage sans l'Esprit de Dieu. Mm-hmm. C'est l'Esprit, comme tu le sais, qui convainc. Nous, on partage la parole et Dieu fait le reste. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. C'était tout. Merci. Je bénis Dieu vraiment pour cet éclairage encore ce soir. On voit bien que Jésus est le véritable Dieu. 1 Jean 5, 20 nous dit très clairement qu'il est le Dieu véritable. Et on bénit le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Sois fortifié, Fanchora, continue l'œuvre. Merci. Dieu soit béni. Merci. On va le prendre d'ailleurs. Demain, 20h30, on va commencer l'enseignement avec... On va partager beaucoup sur 1 Jean 5, 20 aussi. Donc, on va beaucoup entendre sur la divinité de Yeshua. C'est notre message. Hein. C'est pour cela que vous voyez ce panneau-là, sur lequel est écrit Jésus est Dieu. Voilà. Donc, d'emblée, on annonce la couleur. Donc, on n'a pas à tergiverser. On n'a pas à avoir honte de son nom. On n'a pas à avoir honte de témoigner fortement sur notre Dieu, de notre Dieu. Voilà. Ici, nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu véritable, le seul Dieu qui sauve. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Il est Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas le Père. Non, ça n'existe pas chez nous, mes amis. Nous croyons ce que la Bible dit. Voilà. 100% homme et 100% Dieu. Oui. Oui. On a quelqu'un en ligne rapidement. Après, on va prendre ta question. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Chouard, ça va? Oui. C'est Grégory de Sambour. Grégory, comment vas-tu, mon frère? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Ça fait plaisir de t'entendre. Ouais, franchement, on est vraiment enrichi. On est vraiment béni par tous les enseignements et voilà quand on fait. Dieu fait son œuvre partout, quoi. Amen. Et en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur le PDF, franchement, ça a l'air d'être du lourd, hein, ce livre. C'est vraiment du lourd. On te l'envoie d'ailleurs. Hein, si tu peux nous envoyer par texto ton numéro, comme ça, ton adresse, pardon. Et dès demain, on te l'envoie. Je le donne à Benoît. Comment? Ouais, à Benoît, ouais. Il rigole même, Benoît, là. Il rigole. D'accord, ça marche.
Parfait, merci Grégory. Voilà, ben, sois fortifié et que, ben, qu'on continue le combat, hein, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Quoi. Amen, merci. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'est ça l'évangile, mes amis. Vous voyez, donc ta question, tu disais. En fait, moi, je voulais savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, mais comment faire pour que Jésus, du coup, se révèle à nous et pour qu'on comprenne, en fait, qu'il est vraiment Dieu. Ok, c'est simple. Déjà, c'est voilà. écrit. Voilà. Donc, c'est écrit. On va prendre un passage, là. Dans Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, on va lire à partir du verset 40. À partir du verset 39. Voilà, ça, c'est magnifique, ça. Vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles, hein, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Comment les Écritures peuvent rendre... Si Yeshua n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant, le Père, comment ça se fait que toutes les Écritures ne parlent que de lui ? C'est ça. Vous vous rendez compte quand même ? C'est clair. Hein ? C'est clair. Comment le Père, s'il ne sait pas Jésus, comment ça se fait que le Père se soit exclu lui-même ? Hein, pour laisser toute la latitude, toute la place à un autre. Alors que ce même Dieu dira par Ésaïe qu'il ne donnera sa gloire à personne, à aucun autre. Mais quand même, les amis, réfléchissez un peu. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes. Vous voyez, frères et sœurs ? Et regardez, on va plus loin. On va descendre encore. Alléluia, gloire à Dieu. Au verset 44. Comment pouvez-vous croire puisque vous recevez la gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Amen. Ne croyez pas que je vous accuserai devant mon Père Moïse sur qui vous fondez. Là, c'est Christ, homme qui parlait. Hein. Moïse sur qui vous fondez. Et celui qui vous accusera. Mais si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, vu qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc ici, je dirais, si les gens ne croient pas les écrits de prophètes tels que Ésaïe, tels que Jérémie, tels que Zacharie, qui démontrent clairement que Jésus-Christ est le Dieu, le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Père, Yahweh lui-même, parce qu'on a vu dans Zacharie, Zacharie le prophète a dit, que Yahweh allait être vendu à 30 pièces. Hein? À 30 pièces, vendu à 30 pièces. Et c'est le cas. Zacharie a dit que Yahweh allait être percé et qu'il allait être reconnu par son peuple et que son peuple allait se repentir lors de son retour visible. Parce que Apocalypse indique quoi? Tout œil le verra. Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, quand même. C'est écrit. On croit bien que... alors, si les gens ne croient pas aux prophètes messianiques juifs, comment voulez-vous qu'ils croient Paul, Pierre, Jacques et Jean et qui nous croient? Donc, il faut d'abord commencer par croire Ésaïe, Zacharie, Jérémie. Comme le Seigneur disait aux pharisiens, vous ne croyez pas aux écrits de Moïse. Comment voulez-vous croire à moi alors que Moïse a parlé de moi? Donc, les gens doivent commencer d'abord par croire aux Écritures. Mettre leur confiance dans les Écritures, plutôt que de croire leurs théologiens, leurs universitaires bibliques, tout ça là, il faut plutôt croire la parole de Dieu, plutôt que ces gens dont le crâne est rempli de philosophie, de raisonnement, qui ne sont même pas nés d'en haut, qui ne sont même pas convertis, qui peuvent avoir quelques connaissances, quelques versets bibliques, mais ils n'ont jamais fait une œuvre. Ils commencent des églises et ils les cassent, ils les détruisent. Ils n'arrivent pas à mener une assemblée jusqu'à la maturité et la laisser se développer et partir ailleurs pour commencer l'œuvre. Partout où ils sont passés, ils ont cassé des assemblées. Ils sortent des églises de la rébellion, ils commandent des églises sur la rébellion. Il y en a qui couchent avec des femmes, il y en a qui ne sont pas convertis, qui fument, qui boivent et qui sont théologiens, qui sont professeurs dans les écoles bibliques. Comment voulez-vous que ces gens-là apportent un message qui réveille les gens? Ils ne sont pas convertis. Voilà. Donc, que Dieu nous garde, mes amis. Demain, préparez vos cahiers, vos stylos. On va développer encore un enseignement sur Jésus, mystère révélé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous vous disons à demain, 20h30, heure de Paris. Au revoir.